Salut à tous, c'est Greg de Dessin Digo et je vais vous donner une petite combine, une solution un peu bourrin mais qui fonctionne très très bien quand vous avez une difficulté à dessiner un truc en particulier. Et vous avez déjà dû voir le titre de la vidéo donc vous savez un petit peu ce que ça va donner. Pourquoi dessiner 100 fois? Parce que quand vous avez du mal à dessiner quelque chose, la plupart du temps, c'est parce que vous ne le comprenez pas bien ou vous ne l'avez pas assez observé. Dans la formation qu'on a sur Dessin Digo, on discute de ça et je donne quelques combines pour apprendre à décortiquer les objets compliqués, à se simplifier la vie, à étudier ça proprement pour arriver à comprendre et donc mieux dessiner. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Il y a d'autres façons de s'y prendre et il y a la méthode « à la dure », entre guillemets. Si vous n'arrivez pas à dessiner quelque chose, dessinez-le 100 fois. Et reprenez ce magnifique carnet de croquis de la honte dont on parlait dans une des précédentes vidéos sur YouTube ici, pour faire ça. Le principe, ça va être de dessiner tellement de fois un truc qu'au bout d'un moment, vous l'aurez vu suffisamment et vous saurez mieux le faire. Ou en tout cas, vous allez être en passe d'y arriver. Parce que souvent, quand on galère à dessiner un truc, c'est que, comme je vous le disais, on ne l'a pas assez observé. Personnellement, ma bête noire, ma hantise, ce que je déteste dessiner sur mes personnages, ce sont les pieds. Et j'en dessine pas assez, je le sais. Et donc j'ai un challenge, comme ça, de dessiner 100 fois des panards, et je suis jamais allé jusqu'au bout. Il faut que je fasse l'effort. Je le sais, je dois le faire. Je l'avais fait pour les yeux, je l'avais fait pour les mains, c'est pas si pénible. Et surtout, ce qui est très intéressant de voir, c'est que 100 dessins, là comme ça le chiffre est impressionnant, mais en fait c'est pas si long. Et pour vous démontrer ça, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, en l'espace de quelques secondes, je vais en dessiner un paquet, et comme ça vous aurez plus aucune excuse. Et ne venez pas me dire que je suis de mauvaise foi parce que la vidéo est accélérée. C'est pas vrai, tout ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est de la vitesse réelle. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, hein, encore une fois, je le dis super souvent, je ne suis pas du tout en train de m'intéresser à l'esthétique de ce que je fais, j'essaie simplement de prendre des informations, de voir les grandes lignes. Si ce que je fais est moche, c'est pas grave du tout, tout ça, ça va filer directement pour remplir des pages de mon carnet de croquis de la honte ou à la poubelle si jamais j'ai tout rempli. L'important, c'est simplement de me forcer à observer, de me forcer à comprendre comment ça fonctionne, prendre des proportions, regarder le détail, et devenir plus familier avec le sujet, hein, tout simplement. Ce genre de truc, là, bien évidemment, c'est sur une vidéo YouTube, donc vous voyez ce que je fais, mais quand je fais des recherches ou des croquis comme ça, je le montre à personne. Hein. Souvent parce que j'ai un peu honte, parce que pas des beaux dessins, etc., mais c'est partie de mon boulot. T'apprendras mieux le faire. Un truc qui m'aide souvent à me motiver quand j'ai pas le courage de faire ce genre d'exercice, c'est de changer d'outil, c'est-à-dire de me mettre à bosser avec le pinceau, comme là je suis en train de faire quand j'ai beaucoup dessiné avec un bic, avec un critérium, crayon à papier classique, ou sur ordinateur. C'est aussi de changer de rapidité, de me mettre à faire des croquis rapides, et sur d'autres, juste derrière, à me mettre à faire des choses très lentes. Changer de moment de la journée aussi, ça peut le faire. C'est-à-dire que directement, avant de me commencer ma journée de boulot, quand je bosse, que je fais ça, faire quelques crobards pour me chauffer un petit peu. Tous les moyens sont bons. Et encore une fois, je me mets pas la pression. Hein. L'objectif, c'est pas que ce soit des œuvres d'art. Juste progresser. Donc si c'est moche, c'est pas grave. Comme vous pouvez le constater, je cherche pas non plus spécialement à ce que ce soit très construit, très proportionné, très juste. Quand je fais quelque chose et je sais que c'est faux, je redessine comme un gros bourrin par-dessus. Je dépasse, je déborde en plein milieu de mes autres dessins, etc. C'est pas important, encore une fois. Hein. Ce qui est important, c'est l'observation. Et le fait de faire le travail. Vous pouvez remarquer aussi que parfois, je refais plusieurs fois le même dessin. Quand j'ai envie de tester autre chose, ou quand j'ai envie d'inverser l'angle de vue que j'ai dessus. Juste pour voir, pour m'exercer,
pour me forcer à voir les choses différemment. Et pour les sessions comme ça, comme c'est pas un truc que j'aime forcément dessiner et que je cherche simplement à m'entraîner à voir, j'essaye de découper ça pour essayer de voir comment je peux le dessiner rapidement, sans, avec le minimum d'efforts, et puis au final j'en rajoute, et puis etc. Donc expérimentez, hein, surtout vous sentez pas emprisonné là-dessus. Le but du jeu, c'est que même si c'est pas un sujet qui vous passionne, c'est que vous preniez quand même du plaisir à le dessiner. Et ce qui peut aider également, c'est de vous concentrer sur l'outil, comme je vous le disais précédemment, que vous êtes en train d'utiliser, comment faire des jolis traits, comment ci, ça, etc. Essayez de toujours trouver une bonne raison de le faire. Et en ce qui concerne les références, photos et la documentation, si c'est pas le cas, allez jeter un coup d'œil à la vidéo qu'on a fait précédemment, où je montre et j'explique, je donne une petite combine justement pour se constituer ses propres références, sans avoir besoin de chercher pendant des plombes sur internet. Et voilà une magnifique, superbe planche d'étude de pied. Donc en l'espace de quelques minutes, hein, parce que j'ai pas passé tant de temps que ça, même si la vidéo est accélérée, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Vous voyez que, en y consacrant un petit peu de temps, on peut facilement arriver à la centaine. Et puis une centaine entre une en une autre, c'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas trop de secrets là-dessus, c'est de la répétition, c'est de la motivation. Je sais que pour les pieds, je trouve toujours une bonne raison pour pas les faire, j'ai énormément de progrès à faire là-dessus. Il faut que je me fasse ma centaine de pieds dans mon magnifique carnet de la honte, et je trouve toujours une bonne raison de repousser, mais c'est pas comme ça que j'ai progressé, et je continuerai à le cacher éternellement. Donc si vous avez envie de progresser, faites pas comme moi, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Dessinez 100 fois les choses. Et vous vous rendrez compte que la plupart du temps, quand on n'aime pas dessiner un truc, c'est parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et si tout à coup vous progressez et vous arrivez à le dessiner, ben au final vous détesterez moins, et ce sera, j'espère, un cercle vertueux. J'espère que cette vidéo, ça vous donne de bonnes idées, ça vous motive à progresser là-dessus, à sortir des sentiers battus un petit peu, et à vous prendre par la main, à progresser sur les trucs qui vous posent des problèmes. Si c'est le cas, continuez sur cette voie, c'est la bonne. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux descriptions et aux liens que je vous mets en dessous, je vous donne quelques ressources et quelques exemples. Quant à nous, on se revoit très bientôt, à la prochaine.